Salut les belles personnes, bienvenue sur ma chaîne Light and Sass, donc lumière et attitude. C'est une chaîne qui va parler principalement de friperie, de fashion, de mon mode de vie en général. Donc bienvenue à ceux qui sont la première fois, sinon reviens-y aux autres. Je vais faire du story time sur un des moments les plus épeurants de ma vie. C'est l'histoire de mon embolie pulmonaire que j'ai faite à 21 ans. J'essaie de vous raconter tout ça avec le plus de détails possible. C'est sûr que ça date de 2014, fait que ça fait quand même longtemps. Mais c'était une des journées les plus épeurantes de ma vie, donc je pense que je vais être quand même capable de bien m'en rappeler pour vous en parler. On va commencer du début. Dans le fond, moi, à ce moment-là, c'était en 2014, j'avais environ 21 ans, de ce que je me souviens, puis j'étais au cégep. Puis ce jour-là, je me souviens que j'avais un examen de littérature. Puis moi, dans la littérature, jusqu'à date, ça allait bien, mais j'étais pas super inquiète pour cet examen-là. J'ai eu une des douleurs les plus surprenante, qui ressemblait à rien que j'avais vécu. J'ai eu une espèce de grosse crampe dans le bas du dos. Mais j'avais l'impression, là, si je peux décrire la sensation, c'est comme si on me tordait le bas du dos. J'ai comme fait le saut, j'ai pris un petit moment pour me détendre, respirer, continuer mon examen, parce que j'étais comme, je peux pas m'empêcher de faire mon examen pour ça. Une personne qui est vraiment anxieuse dans la vie, fait que mon raisonnement c'était juste, ça doit être une crampe qui est liée à l'anxiété parce que ça me stresse de faire des examens en général. Continue, je me dis ça, je fais mon examen comme si rien n'était. Puis en sortant, j'en parle à quelques personnes, puis tout le monde me confirme, me dit, c'est normal, c'est sûrement juste une crampe qui est liée au fait que t'étais stressée, comme tu dis. Fait que je m'inquiète pas trop de ça. Au fur et à mesure que la journée à l'avance, j'ai l'impression que ça prend plus de place, là. Comme j'ai plus souvent de ces crampes-là, qui sont moins espacées, si je peux dire. Puis j'ai l'impression que tranquillement, la douleur, c'est comme si la sensation était localisée de plus en plus haut. Puis à un moment donné, ça s'est comme transposé que c'était au niveau de ma cage thoracique. Mais la journée a avancé, là, moi j'ai fait tous mes cours au cégep comme si rien n'était, puis je me disais, c'est juste le stress, c'est pas bien grave, ça va passer. Je prenais des respirations. Rendu vers environ 5-6 heures là, dans la soirée, là j'ai rejoint des amis, puis je leur ai parlé un petit peu de comment ma journée s'est passée. Puis à ce moment-là, je me souviens que je commençais à avoir de la misère à respirer. Je me disais mes phrases, puis je me sentais un petit peu à bout de souffle. Mais à ce moment-là, moi ça m'inquiétait pas. Fait que là, je continuais à parler avec les gens, puis cette intensité-là d'avoir de la misère à parler puis à finir mes phrases a juste fait d'augmenter avec le temps. Au café étudiant, justement, il y avait une soirée d'humour. Moi, je me suis dit, je vais y aller, tu sais, ça va me permettre de me changer les idées puis sûrement comme de me calmer en général. Juste l'impression que cette sensation-là faisait juste augmenter jusqu'à ce que la soirée, c'était comme peut-être vers 7h, 8h dans le soir. À chaque fois qu'il y avait une blague qui me faisait rire, que je riais, la douleur là, thoracique, c'était incroyable. J'avais de la misère, ça me faisait mal à chaque fois que je riais, à chaque fois que je parlais, à chaque fois que je respirais. C'est comme si mon souffle était, tu sais, il était limité, là. Je pouvais encore faire des petites respirations, mais pas trop, sinon j'avais encore cette sensation-là de serrement dans ma cage thoracique. À ce moment-là, moi, je commence à trouver ça comme inquiétant. Puis je le dis, je veux pas déranger le show puis la soirée de mes amis. Fait que le chat a comme une couple d'amis, puis je me dis, c'est vraiment bizarre là, tu sais, ça fait vraiment mal quand je respire. Puis moi j'essayais de banaliser ça, puis j'étais comme, c'est une autre sensation, ha ha ha. On dirait que c'est ça, tout le monde me rassurait puis me disait, ça doit pas être grand chose. Fait que je m'inquiétais pas plus qu'il faut. À la fin de la soirée, là ça venait vraiment intense. Là tout le monde, c'est ça, la foule se dissipe, puis moi je reste un petit peu avec mes amis plus proches. Puis je leur en parle, je leur dis, là c'est vraiment trop là, je pense que je vais aller consulter. Puis je me souviens que j'ai eu une amie en particulier, mais comme tout mon groupe d'amis me disait, c'est correct, rentre chez toi, repose-toi, prends-toi un petit thé, mets-toi en pyjama. Probablement que c'est ça, ça va passer pendant le temps, pendant la nuit, puis demain ça va être correct, t'sais. Je me souviens que j'avais vraiment envie de les croire, mais c'était tellement une douleur là, spéciale que rien de comparable à ça. Parce que j'essayais de l'ignorer parce que je me disais, mon Dieu, tu sais, c'est pas normal d'avoir de la misère à respirer. C'est effrayant là comme sensation. Tu penses tout le temps que tu vas mourir parce que c'est ça, respirer, c'est quand même de base. Je trouve ça fascinant, là. Il y a comme eu un instinct que j'ai eu. Je me suis dit, impossible que je retourne chez moi dormir comme ça. Puis je suis un petit peu hypochondriaque dans la vie. Fait que je me suis tout de suite rendue dans ma tête à qu'est-ce qui arrive si, tu sais, je dors puis qu'il m'arrive de quoi pendant mon sommeil. Non, c'est sûr que je laisse pas ça comme ça, là. Je peux pas faire comme si rien n'était. Je sais qu'il y a un hôpital qui était vraiment proche de l'école.
Mais moi, j'étais comme, ah, ben là, je veux pas appeler une ambulance pour ça, là, tu sais, c'est rien. Je veux dire, j'ai quand même été capable de le tolérer toute la journée, là. Je pense que je vais me rendre, genre, en taxi. Puis j'ai pris un taxi pour me rendre à l'hôpital qui était à peut-être 10 minutes de là. Puis on dirait que juste, là, dans le taxi, là, je commençais vraiment à paniquer, là. J'avais vraiment peur. Je pense que j'étais accompagnée à ce moment-là. Je me rends à l'hôpital, puis là, je leur explique, comme, tout ce qui s'est passé. Puis moi, je comprends pas pourquoi, tu sais, je leur dis mes symptômes, puis tout, puis je suis passée très, très vite, là. Genre, j'ai jamais passé vite de même à l'hôpital, là. Fait que je me rends, puis j'étais comme dans les cas qui étaient vraiment urgents. Puis tout, je me souviens, là, tout le processus, ça a pas dû prendre plus que comme 15-20 minutes, là, même pas. Fait que j'ai tout de suite passé à l'infirmière, au triage. Puis l'infirmière, elle me dit que ça a des symptômes d'embolie pulmonaire. Donc là, elle me pose une couple de questions, puis elle me dit « Ah, est-ce que récemment, t'as eu une immobilisation? Est-ce que t'as eu une phlébite? » Là, je me souviens que ma mère en avait fait une il y a une couple d'années. Fait qu'on dirait que j'étais comme « Ah, ok, c'est-tu comme une espèce de douleur dans le mollet? » Puis elle fait « Ouais, c'est ça. » Je fais « Ah, ben, la semaine passée, je me rappelle que j'ai eu une crampe de mollet d'environ 3-4 jours. » Mais je me disais que c'était juste comme une espèce de courbature ou de claquage, fait que je me suis pas full inquiétée. Là, je me souviens, elle me regarde, puis elle était comme... elle était vraiment abasourdie que moi, je dis ça comme ben relax, là, que j'avais une crampe de mollet 3 jours, comme si c'était normal. Puis l'infirmière, elle me regarde, puis elle fait comme... Ok, tu sais, il y a des grandes chances que ça soit une phlébite. Est-ce que tu sais, ça a été causé par quoi? Là, j'ai dit, ah, ben, je suis pas sûre. Comme, je sais que la semaine d'avant, j'avais eu une immobilisation parce que je m'étais blessée au genou. Puis elle fait comme, ok. Tu sais, puis là, il y a plein de choses. Là, elle me demande si je prends des contraceptifs. Puis je disais qu'à ce moment-là, je prenais un patch contraceptif qui était Evra. Mais là, comme, ah, ben, tu sais, il y a plusieurs choses qui s'additionnent. Je me souviens pas qu'est-ce que j'avais reçu à ce moment-là. Je pense que c'était des médicaments pour éclaircir le sang, justement, pour gérer la situation tout de suite. Mais, ouais, en gros, l'infirmière m'a dit que si j'avais attendu une demi-heure de plus, il y aurait probablement eu des complications, voire un décès. Donc, c'est ce que je veux dire, parce que j'ai failli mourir, puis ça m'a tellement saisi quand elle m'a dit ça, là, j'ai tellement été reconnaissante de cet instinct-là que j'ai eu d'aller consulter, parce que pour vrai, je sais pas qu'est-ce qui me serait arrivé si j'étais pas allée, si j'avais juste écouté mes amis puis rentré chez nous, peut-être que justement cette douleur-là aurait encore pris le plus le dessus. Mais j'ai tellement été reconnaissante de moi-même, de m'en occuper, puis de m'écouter pour vrai, là, c'est... Je voulais surtout faire cette vidéo-là pour ça, pour vous dire à quoi ça ressemble, mais surtout de vous faire confiance, pour vrai. Parce que notre corps nous parle, puis quand il y a des choses qui... sont différentes dans notre corps, mais je pense que c'est vraiment important d'être à l'écoute de ça. Moi, l'infirmière m'a dit que c'est ça, que si j'avais entendu une demi-heure de plus, que c'est pas qu'est-ce qui se serait passé, puis que c'était une bonne chose que je suis allée consulter parce que c'était une embolie pulmonaire qui, là, après ça, on a tout compris que c'était probablement relié à toutes sortes de facteurs, dont le fait que j'ai une phlébite dans le mollet puis je m'en suis jamais rendu compte. Alors, si vous avez une crampe de mollet pendant 3 jours, c'est probablement pas tant normal. Je suis pas médecin, je peux pas vous donner des conseils parce que visiblement, moi, comment que je l'ai vécu, c'est pas comment tout le monde va le vivre. Puis je dis pas que toutes les douleurs de mollet, c'est ça. Je dis pas que toutes les difficultés à respirer, c'était ça. Ça a été un des moments les plus comme saisissants pour moi, puis douloureux. Puis j'ai eu vraiment peur. Puis au final, c'est ça, mon suivi, ça a été environ comme 5-6 mois sur le Coumadin, qui est un médicament qui éclaircit le sang. Donc ça fait que ça va régulariser là, notre taux pour pas qu'il y ait des caillots qui se reproduisent. Parce que l'embolie pulmonaire, c'est ça, c'est un caillot qui, au début, qui était dans le mollet, puis qui s'est promené à s'arrêter au niveau de mes poumons. Si ce caillot-là se rend au cœur, c'est un arrêt cardiaque. S'il se rend au cerveau, c'est un ACV. Donc, c'est pas quelque chose où à prendre à la légère. C'est vraiment dangereux, puis c'est vraiment important d'être à l'écoute de ces symptômes-là, puis à l'écoute de son corps. Puis justement, si on n'a aucune idée c'est quoi, ben d'aller consulter, parce que moi je l'aurais absolument pas su. J'ai eu ma médication pendant une couple de mois après ça, là j'ai plus le droit de prendre des anticoagulants à cause de cette raison-là. Tout laisse à croire que c'était probablement pas nécessairement juste la cause de ça, mais aussi l'immobilisation, la phlébite, fait que c'est une accumulation là, de
plein d'événements qui se sont passés puis que j'ai comme pas écouté les signes. Mais ils veulent comme pas prendre de risques, puis ma mère en avait déjà eu une, fait qu'ils se disent peut-être qu'il y a de quoi au niveau héréditaire. Mais on le saura pas. On sait que c'est comme un événement ponctuel, dans le sens que c'est pas des difficultés circulatoires ou respiratoires ou pulmonaires en général. Là. C'était comme un événement isolé. Moi, c'est sûr que ça l'a beaucoup développé, cette conscience-là au niveau de mon corps, d'essayer d'être à l'écoute des signaux pour justement pas que quelque chose comme ça me réarrive. Ça l'a pas aidé à ce que je sois moins hypochondriaque, ça c'est sûr, sûr, sûr. C'est ça, c'est l'instinct. Là. Moi, mes amis, pas que je leur fais pas confiance, mais à ce moment-là, ce qui se passait dans mon corps, pour moi, c'était trop. T'sais. Je pouvais pas tolérer cette douleur-là, puis juste faire comme si rien n'était. Puis je suis vraiment reconnaissante de l'avoir faite parce que ça m'a sauvée, tu sais. Puis je suis reconnaissante de toute cette équipe-là médicale qui était là autour de moi, qui a fait que ça a été super vite, puis qui m'ont soutenue dans comme toute cette peur-là que j'avais. C'est pas ça pour mon histoire de mon embolie pulmonaire à comme 21 ans. C'était pas absurde d'avoir vécu ça, tu sais, j'y repense, puis je trouve que c'est quelque chose qui est tellement rare. J'ai su après ça qu'il y avait beaucoup d'histoires qui étaient liées à la contraception. Mais ça, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans parce que je m'y connais pas assez. Écoutez votre corps, les gens, c'est vraiment important. C'est une petite machine vraiment bien faite, mais que c'est ça. Il faut quand même rester à l'écoute de soi puis de son instinct. Donc, j'espère que vous avez apprécié écouter cette histoire-là. Puis j'espère que ça a pu vous aider vous aussi. Moi, ça me fait du bien d'en parler encore, là, juste pour au moins que le monde y sache à quoi ça ressemble pour si jamais quelque chose de similaire qui leur arrive. Yeah, ça fait longtemps que je voulais parler de ça. Ça a été vraiment marquant dans ma vie puis ça m'a beaucoup fait réfléchir sur justement à quel point que c'est quoi qui peut arriver n'importe quand. Moi, mon histoire à moi, ce sera pas la même histoire que plein d'autres gens. Puis mes symptômes à moi, ça veut pas dire que si vous les avez, c'est ça que c'est. Je vous dis vraiment pas de commencer à vous inquiéter tout le temps avec ça, mais d'essayer de quoi qui est différent puis que qui est douloureux, ben de consulter, tu sais, de prendre le temps de s'en occuper. Parce que moi, pour vrai, je le répéterai jamais assez souvent, mais c'est ça qui m'a sauvée puis qui fait que je suis encore là aujourd'hui pour vous conter cette histoire-là. Je vais sûrement faire d'autres story times sur d'autres choses qui me sont arrivées dans ma vie parce que je trouve ça vraiment intéressant comme format. Puis j'aime vraiment ça, avoir une plateforme pour vous jaser. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, envoyez de l'amour, partagez, commentez, aimez, abonnez-vous. Vous pouvez aussi mettre la cloche de notification pour être notifié la prochaine fois que je publie une vidéo pour être dans les premiers à la voir. Je vous revois bientôt, puis bonne journée! Bye bye!